c'est bon, c'est bon. Aux anciens d'Afrique, nous sommes réunis ici pour rendre hommage à ces combattants de la Seconde Guerre mondiale, dont le sacrifice est trop souvent méconnu et doit être rappelé. Il s'agit de l'armée de l'Afrique, de l'armée des colonies. Il faut en effet se souvenir des anciens de cette guerre, de ceux qui ont résisté tout en étant considérés comme des émigrés. Leur engagement ne fut pas simplement pris en vue de la libération d'un territoire, il fut aussi et surtout un combat pour des valeurs, notamment pour la dignité humaine, la tolérance, la liberté, la fraternité, la solidarité, l'égalité dans le cadre de la République et au nom de la démocratie. Ces défenseurs de l'égalité des races ont aujourd'hui leurs enfants, leurs arrière-petits-enfants sur le sol français. Ils demandent et méritent que le droit de sang leur soit reconnu. Nous vous rappelons qu'à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, la division Leclerc, qui comprenait notamment la 14e régiment de tirailleurs algériens, a fait une halte à la caserne de Lage, devenue depuis école de gendarmerie, aujourd'hui désaffectée. Certains de ces militaires sont restés sur Châtellerault et les environs, où ils ont fondé leur famille, telles que M. Gendaz et M. Hamidi, par exemple, décédés il y a peu de temps. Eh bien, vive la République, vive la France, vive les combattants d'Afrique. Voilà, merci. Nous, on le fait au cimetière de Saint-Jacques, donc ce n'est pas une contre-manifestation, ni une bande à part, parce qu'on est tous des Français de longue date. Ma famille, elle était en France depuis 1904 en tant que commerçant. Donc ce n'est pas... Pourquoi vous associez pas à la cérémonie du 8 mai ? J'attendais une réponse de monsieur l'adjoint au maire qui s'occupe des commémorations. Depuis le 28 décembre, j'attendais une rencontre. On n'a pas pu l'obtenir. Oui, mais à Châtellerault, pourquoi vous n'êtes pas associé à la cérémonie du 8 mai, au monument aux morts ? Vous auriez pu être présent ? Ils ne m'ont pas invité. Ils me l'ont proposé, mais c'était trop tard. C'était trop tard, on a pris des engagements. Donc là, on se trouve où, là, ici ? Là, c'est au cimetière Saint-Jacques. Il y a 17 tombes d'origine africaine. Ils sont là, devant vous, qui sont tombés pour la France, la mère patrie. Au discours officiel, on ne remercie jamais les anciens de 14-18, 39-45. Cet événement, pour le faire rappeler aux jeunes qu'il y a eu en France une manifestation pacifique qui a tourné au drame. Et en leur mémoire, on jette des fleurs dans la Vienne. Symboliquement dans la Vienne, qui représente pour nous la Seine. À partir du pont Henri IV ? Pont Henri IV. Et j'espère cette fois-ci que la municipalité et les pouvoirs publics en général nous accordent la sécurité nécessaire.